Et puis hop, et puis hop, Lulu, à vous les loulous. Alors. Ce soir, nous partons sur une petite session chilou. Donc, World of Warcraft. Hey, Manim. Mais que fais-tu là? Tu n'es pas sur un crochet, ma douce? Dit John à la rencontre de Hellraiser. Qui est d'ailleurs très très fun. Après, il peut être très compliqué. Donc, bonne chance à vous, les loulous. Alors, donc, petite session WoW pour changer des donjons. En fait, j'ai quelqu'un de la commune, hein, Milkris, qui s'est remis à WoW. En fait, il est sur notre serveur, etc. Il s'est retrouvé bloqué sur une quête au niveau des Vulpérins. Sachant, j'étais. Non, t'es pas diète quand même. Ma belle Nîmes. Attends, j'ai ça à faire aussi. Voilà, c'est ce qui me semblait. Et donc, du coup, il s'est retrouvé en fait bloqué sur une quête. Et le truc, c'est que j'ai voulu aller l'aider. Sauf que. Attends, c'est quoi ça? Temps de recharge. Ouais, mais c'est une fois normalement. Alors, vas-y, on va faire comme ça. Okay. Ah non, t'en as trois. Et du coup, j'ai voulu aller l'aider, sauf que, et manque de bol, comme je n'ai pas du tout fait ces quêtes-là, en fait, je me suis retrouvée comme une con, bloquée à la sortie. Donc, du coup, comme apparemment c'est quand même relativement rapide, contrairement aux synchroniques que j'ai commencé et pour lesquelles je vais mettre 10 ans à débloquer, vu le peu que je joue, en fait, il va falloir que je corrige ça aussi. Le truc, c'est que, je me suis retrouvée, enfin voilà, je vais débloquer cette zone. Et on verra du coup si on arrive à le débloquer, si il ne s'est pas débloqué entre-temps. Donc là en fait, voilà, je vais vous montrer juste un truc. Donc en fait, à Orgrimmar, vous avez ici donc l'entrée d'Orgrimmar, elle est en face. Ça, c'est la maison du chef de guerre. Vous allez derrière, vous avez les escaliers, les ascenseurs là. Hop. Et en fait, il faut prendre ces escaliers et aller là où il y a tous les pans d'arène. Et ici, vous allez avoir cette grosse maison juste en face avec toutes les races que vous pouvez débloquer. Donc moi, j'ai commencé celle-ci, je crois que c'est ça, voilà, Sacre Nuit. Voilà, donc à savoir qu'à chaque fois, il y a un au fait pour pouvoir débloquer la race. Oh, merci, sixième mois d'abonnement, Manimo, merci beaucoup, de gros bisous à toi. Ah bah, dans 3 mois, le bébé, c'est ça, dans 3 mois, le bébé, ça se fête, hein. Eh bien, écoute, on va voir, on va voir, on préparera un petit quelque chose pour ça, pour l'occasion, avec grand plaisir. En tout cas, merci à toi, merci pour ton soutien indéfectible, merci de ta présence, hein, au quotidien sur les lives. Franchement, une très très belle rencontre. Et j'espère qu'un jour on aura l'occasion de se voir vraiment IRL. Alors, écoute, après nous, c'est vrai que si on se rapproche, comme on a de la famille, si on se rapproche, voilà, mais c'est vrai que c'est ça fait loin, quoi. Parce que moi je suis tout en bas quoi, enfin pas tout en bas, mais je suis pas dans la France quoi. On l'appellera Chias, mais oui, Chias. Et si c'est un garçon, Toblerone, si ça te va. Donc voilà, en fait, vous avez un au fait pour débloquer la race et un niveau. Et en fait, bon, ils vous disent comme d'hab, hein, ce que ça. Voilà, oh là là, tu veux pas voir ma trône? Mais si, je vais voir ta trône, je vais tout voir de toi. Les orques, je vais vous montrer vite fait. Voilà les orques, il faut être niveau 50. Alors, c'est mon perso plus haut level. Je crois qu'après c'est 39 ou je sais même plus. Je sais pas si j'ai un perso 45. Je pense pas qu'il soit 45. Les taurennes de Hauroch. Les trolls Zandalri. Apparemment c'est long aussi à débloquer. Attends, c'est quoi? Celui-là je l'ai vu. Bah, j'ai tout vu. Et les vulpérins. Donc là, c'est ceux-là qu'on va essayer d'aller débloquer. Ils ont quoi? Sac analyse, fouille de sac. Vous avez recours à un tour qui inflige les dégâts à un ennemi ou soigne un allié. Il existe toutes sortes de tours à récupérer dans le monde. Ok. Bivouac, vous établissez un bivouac et vous avez la possibilité d'y revenir ultérieurement. Oh, c'est pas mal ça. Le nez pour les ennemis. Le premier coup d'un ennemi vous inflige moins de dégâts. Ok. Sacoche de sel d'alpaga. Votre sac à dos comporte 8 emplacements supplémentaires. Oh, c'est super bien ça.
Résistance au feu, ok. Ou alors, on fait un nom composé, chiasse Toblerone, carrément à poil. Oui, chiasse Toblerone. Ah, c'est franchement, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, j'adhère. Alors attends, du coup, attends, il faut que j'aille parler. Comment on faisait? Faut que j'aille parler à lui. Ah merde! Faut que je trouve. Comment tu vas débloquer? J'avais trouvé pour les autres, il fallait que j'aille dans la zone. Bah ça va être ça, il faut que j'aille. Ah si! Il m'a dit Mili, donc il faut que j'aille chez les Andalari. Ouais, c'est ça, c'est chez les Andalari. Et après, il y a toute une zone. Il faut que je trouve une princesse, je crois, la princesse, il faut que je lui parle. Je vais juste vérifier ça. 116 ici, 132 et 134 contre 132, 108 contre 93 et... Ok. Bon bah écoutez, hein, je pensais que c'était là, mais en fait oui c'est là pour voir les trucs. Ça nous a permis de voir ce qu'on allait faire et on va essayer d'aller chercher une princesse. Non, attends, je suis pas au bon endroit. Jack. Voilà. Donc là, je passe près du troll de guerre, du chef de guerre. Et ici, à l'entrée, à gauche, vous avez les portails. Les Andalari, c'est quelque part à droite. Bah, c'est ça. Yes. On va essayer de se choper la princesse. Allez, go. On va attendre un petit peu. Après, on va voir quand est-ce que les filles n'auront plus besoin de la musique. Puisque du coup, ça vous fait double musique à vous. Ah, mon chat. Oui, ça a pété un moustique juste à côté de toi. Mon pauvre bébé, tu peux dormir. T'inquiète pas. Il y a vraiment pas un petit moustique qui crame les moustiques à côté de lui. Je peux pas voler, je crois. Ouais, c'est ça, je peux pas voler ici. Alors, la princesse, j'imagine. Ah! Vous devez vous rapprocher. Bah, c'est elle, accompagner la princesse. Ah, ouais, mais attends. Bon, il m'avait dit le. Je suis pas allée à Zuldazar avec toi? Si, il me semble que j'y étais allée. J'ai peut-être pas fait la quête qu'il me demandait. Oh, sérieux. Mon Dieu. Bon, je verrai. Oh, coucou mon Evans le loup, comment tu vas? Salut Flo Flo. Je suis à Zandalari parce qu'en fait... Pour les Vulpérins, si j'ai bien compris, il faut que j'aille. Par là, à Voldoun. Faut que j'aille côté Voldoun. Comment tu vas, mon Flo? Mais oui, mais allez, oui, vas-y, parle. Mais il me semblait que j'étais venue avec elle ici. Yes! Merci Flo, ouais, c'est Mini m'a dit la même chose. Il a mis un petit peu, à peu près une demi-journée, je crois. Une bonne demi-journée à faire. Donc on va voir. Alors par contre, je finirai peut-être pas ce soir parce qu'en fait, je vais pas jouer des masses. Ce sera un live
chill et un petit peu court, je pense, parce que je veux finir le truc pour ma fille. Je pense que j'en ai pour une petite heure. Je pourrais pas le faire demain et c'est jeudi son anniversaire. Et jeudi, j'aurais bien aimé faire mon live du matin tranquille et l'après-midi réviser. Donc du coup, allez. Oui, ça va un peu fatigué. Là, il recommence à faire chaud et il fait très chaud dans la maison aussi. Du coup, là, j'ai deux ventilateurs sur la tronche et tout. Donc, je suis désolée pour les bruits. En plus, vous avez la musique des petites derrière et tout. La totale. Non, mais ça va. Ça va être un mois de septembre assez compliqué. Donc, j'espère juste que niveau asso, ça va aller. Qu'on n'aura pas trop de mailles parce que ça va. Ça va être chaud. C'est pas grave, on est là pour toi, Chacha, même si ton stream est court. Yes, ouais, dans ma tête, on va dire, 23h30 max, tu vois, voilà, c'est un peu plus court que d'habitude. Enfin, sachant que là, d'habitude, avant, j'arrêtais, ouais, quoique j'arrêtais plus ou moins vers minuit. Et là, je commence à en faire d'un petit peu plus long, ceux du soir. Établissez 23h30, mais je m'en fous, je veux pas ça, moi, fuck. Je veux trouver ma quête. Elle est où la quête de la meuf là? Druides a beaucoup. Abutuzul, le prophète, je m'en fous. Il m'a dit c'était la princesse qu'il fallait que j'aille voir. Oui. Non mais tranquille, là, je me mets pas. Martel en tête. Je me suis noté où mon truc d'ailleurs? Je me suis noté où non de la quête? Non, ça c'était mes notes pour la BCVIC. J'ai des petits papiers là. Vas-y, je les foutu là-dessus. Merde. Ah bah super, je sais plus où est mon papier. Bon, c'est parfait, c'est bien. C'est bien, madame, t'as bien bossé. Alors attends. Putain. J'ai où là? Attends. Comment tu comme il s'est va? Salut Toto, meilleur des romanciers. D'ailleurs Toto, en attendant les filles, j'ai continué, j'ai fini un chapitre. Attends toi, je m'en fous. Ah, ce que ça me saoule là, allez vas-y. Je suis pas patiente hein, pour les trucs comme ça moi en fait. Bonjour, et après on va installer un truc là-haut là. Putain, j'étais persuadée d'y être allée avec elle, donc je me suis pas du tout alarmée et tout. Je me suis dit, allez, c'est bon, j'ai juste à trouver la princesse. Ben non. Oui. Cœur de glace, comment vas-tu? Comment ma belle? Moi, ça fait plaisir de te voir par ici et les autres aussi. Bienvenue en Zandala. Ouais, mais je m'en fous. Je m'inquiète, quoi. Hello à toi, bienvenue. Ah. Affiché.
C'est ça qu'il faut que je fasse. Nous ne sommes pas les seuls. Parler à la princesse pour en savoir plus. Ah, c'est ça ou pas? Fais voir dans la quête. Welcome, comment tu dis ton pseudo? H. Une conversation en toute discussion. Ah, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Campagne, je m'en fiche. La plus belle des Belges. Mais on a... Il y a de la Belgique, hein, par ici. Petit oncle, loulou. Alors, attends. Bah, écoutez, on va voir en conversation, en toute discussion. En toute discrétion, mais je crois que c'est ça. Il faut que j'aille les interroger. Bon, on va faire ça. Je crois que c'est ça qu'il m'avait dit, parce que ça me dit quelque chose, ce nom. Mais je sais pas où j'ai foutu mon papier. Ah si, attends, là-dedans, je crois, non? Je l'ai pas mis là-dedans. Mais c'est ça, une conversation à toute discrétion. Mais je suis trop forte nulle, mais... Arès, ok, ça marche. Welcome. Tu commences aussi la race alliée. Yes. Mais écoute, on va voir ce que ça va donner. Moi, je sais que sur les... Donc nous, on joue côté horde. Et en fait, je n'ai... j'ai à peine commencé à faire les sacres nuits. Et j'en chie parce que c'est très très long en fait. Et c'est juste horrible en fait. Hein. Sachant que mon perso, comme il est plus haut niveau, je m'ennuie un petit peu en fait. Je m'ennuie un peu à le faire. Et du coup, les sacres nuits, mais c'est méga long à faire en fait. Hein. Donc là, du coup, c'est pour aider un pote, comme j'expliquais tout à l'heure, un follower hein, qui est de la commune. Torren de Rock, félicitations, bravo. Ils sont classe. Et puis, bah, comme tu peux voir, hein, j'aime les Torren. j'ai, en fait, mes persos principaux, au final, je me retrouve avec des Torren partout. Ah, attends, je peux passer par là ou pas? Non, t'es en haut. T'es en haut. Donc, Walou, donc là, en fait, il bloquait sur un truc chez les Vulpérins. Et en fait, j'ai pas pu rentrer dedans. Donc, du coup, bah, j'ai dit, mon live de ce soir, tous les mardis soirs, je live sur WoW. Et là, j'ai dit, bah écoute, on va débloquer. Apparemment, c'est pas si long que ça, les Vulpérins. Donc, on va tenter. Walou. Alors attends, toc 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 toc, perso moi j'ai les Vulpérins, les Trolls Zandalari et les Orques. Ah les Orques, tu les as aussi, bravo, je me souvenais plus que tu les avais les Orques. Me manque les Sacres Nuits et les Taurennes de Hauroc, yes. Bah les Taurennes j'aimerais bien les avoir et après moi c'est vraiment les Sacres Nuits qui m'intéressaient. Mais c'est vrai que c'est un peu le kéké boudin quoi, hein. C'est un truc mais les hauts faits et tout là qu'il faut avoir, hein. C'est des trucs à rallonge. C'est chiant. Et puis la zone, j'aime pas. Donc ça n'arrange rien en fait. Allez. Plop. Bizarre. J'aime pas cette zone de base hein, en fait. Hein. Donc quand je suis allée avec Millie hier dans les zones là où il y avait les Vulpérins, en fait, je ne connaissais absolument rien parce que j'ai à peine. Enfin, j'ai entamé cette zone avec d'autres persos. Mais je suis pas allée jusqu'au bout. Hein. Moi je joue chasseur de démons level 60, yes. En tant que c'est mon premier perso, je suis novice sur le jeu, je connais pas encore tout. Yes, bah écoute, moi ça fait des années que. Enfin, j'ai joué des années, mais vraiment en solo, etc. Un petit peu en guide, mais c'était pas bien folichon, on va dire. J'ai jamais eu un gros level, hein, donc voilà, faut pas s'attendre à un skill de ouf. Par contre, c'est vrai que moi j'aime bien jouer en chilou. Et puis là, on a monté notre petite guilde avec des personnes de la chaîne et puis des potes. Et donc, Evans le loup, Obi Joufu, donc qui est notre chef de guilde, etc. Voilà. Et en fait, voilà, ça fait quoi? Ça fait, je sais pas, 2-3 mois qu'on joue en guilde comme ça. De temps en temps, donc c'est une petite guildou, hein, où on joue chilou, c'est des personnes qui soit débutent, soit ont pas joué depuis un bail, etc. Quoi. Donc tranquillou bilou quoi.
Déprimé de ne pas pouvoir live et jouer avec la guilde comme tous les mardis. Ouais, je me doute. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait, Flo? Parce que du coup, tu m'as dit ouais, que tu avais eu un souci d'ordinateur. Mais par contre, je t'ai vu, en fait, tu as quand même pu jouer à LOL. Alors, est-ce que c'est parce que c'est chez quelqu'un? Est-ce que c'est, je sais pas, LOL, si tu peux jouer sur le téléphone ou j'en sais rien? La plus frite des Belges. La plus fritas patatas des Belges. Yeah. Je te dirai, Nîmes, d'ailleurs, s'il y a besoin. Alors, je ferai pas un gâteau à la fritas patatas, mais je vais voir. Je me suis pas posée hein, pour les gâteaux et tout. Je vais essayer de voir jeudi, peut-être pour en faire un. Je ne sais pas encore quoi. Enfin, bon, on va voir. La passe des prisonniers. Pterur. Pterur ductile. J'allais dire quelque chose, mais je voulais aller check si les filles dormaient le temps que j'étais en vol, mais du coup ça va pas passer quoi. Faites votre part, général. Oh la voix. Et la tête? C'est quoi ce machin? Oh! Des intrus. Vous mourrez dans ces dunes. Oh! Non, oh, moi qui aime bien les serpents. Soldats, rompez les rangs. Tous aux abris. Éloignez-vous le plus possible de ces Ah, serpents. Je risque de l'aimer cette zone. J'ai un petit peu exploré hier vite fait avec Milchris, mais on n'avait pas vu grand-chose. Enfin, on avait vu quelques petites quêtes de base en fait. Hein. Oh, shit, tout rouge. Oh. Les ordres sont oh. Exécutés. Ces souffrances sont Ah, ouais, d'accord, mais non. Oh. Ah, bonjour. Ouais. Ah, bah ouais. Ok. Ah, attends, c'est bon, t'attends là? Ouais, ok. Alors, je vais check les filles, j'arrive, j'en ai pour 3 secondes. Enfin, peut-être 10, quoi. C'est good, j'arrive, j'arrive. Hop. Et voilà, j'ai enlevé la berceuse. Pour votre bien et mon bien mental aussi. Ben, la toirerie, aucun moyen. Ah merde, de la rallumer. J'ai vérifié que ça venait pas du câble de la lime, ok. Mais non, ça je l'ai emmené à réparer et je sais pas quand il se. Ah merde. Ah. Mince. Le mec, il va te dire de toute façon quand est-ce qu'il va l'avoir fait. Il t'a pas donné une idée s'il y en a pour une semaine. J'en sais. Choisissez quoi? Pardon, j'ai pas lu. Hein. Comme d'hab. Il faut que je choisisse une arme. Il faut croire que vous avez quelque chose de spécial. Alors c'est quoi? Oh, sceptre de serpent. Putain, mais elles sont stylées ces armes. Vas-y, mais je vois un serpent, moi je suis obligée de prendre. Je suis désolée. Hein. Ah, c'est quoi c'est... Ah, c'est l'arme pour elle. C'est quoi? D'accord. Ok, alors je nie pas comme d'hab, hein, donc je m'en excuse. Moi je suis les flèches et je tape en gros. Je suis une grosse feignasse. Non, non, je regarde les histoires et tout, mais après, c'est vrai que les petites quêtes. Bonjour, regarde, il y a des trucs à péter là, mais il y avait un poteau aussi. Bonjour, toi.
Ok, j'ai un 12 à fêter comme ça. Il aurait dû te le dire normalement. Bébé. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Ouais. Normalement, il. Enfin, je sais pas, après, c'est de la correction aussi, quoi. Parce que bon, entre te le garder un mois et 3 jours, il y a une différence, quoi. Après, s'il était blindé, par exemple, logiquement, il te l'aurait dit aussi. Donc, je pense que c'est une histoire de 2 jours, quoi. Mais bon, ouais, c'est ça. Il aurait quand même dû te dire un petit quelque chose, quoi. Après, c'est ce qu'on appelle aussi du professionnalisme, enfin, je sais pas. La mer. Ah, un truc blanc là. Bonjour. Voyons. Allez. Bon, normalement, vous êtes censé mettre un petit peu plus de temps quand même, hein, parce que je suis un peu plus haut niveau. Après, je fais pas d'efforts, je calcule pas, mon perso, je le contrôle pas comme il faut. Donc, je suis un peu nawak et je m'en fiche du moment que je fais mes quêtes en fait. Alors là, Léon, toi faut te péter l'anus, ego. Je me suis pris comme un caca en fait, hein. Ouais. Ok, j'ai un truc à faire par là. Alors attends. Merci pour le pot de bite. Yes. En cette nuit noire de septembre. Mais non. Nuit noire de septembre. Mais non. Enfin, sinon, le moral, j'espère que ça va quand même. Et c'est bien ça. Hein, je t'ai vu jouer à l'eau. À l'eau. À l'eau. À LOL. Et d'ailleurs. J'ai un jeu. Oh, attends. Où? Où? Là. Oh. Ça me fait penser un peu à Guild Wars, la zone comme ça là. Oui, donc ce que je commence à dire, c'est qu'en fait, je vais dans quelques temps, voilà, j'ai commandé une Switch. J'ai demandé gentiment une Switch pour Noël anniversaire, parce que bon, mon anniversaire c'est novembre, hein. Donc du coup fin d'année et. Bon, logiquement, je suis pas censée savoir, mais je devrais l'avoir. Sauf sauf petit bug ou j'en sais rien. Je ne sais pas pour les jeux encore, mais il y en a un, en fait. Pourquoi je rebondis sur LOL? Parce qu'en fait, c'est. Comment ça s'appelle? Attends, je regarde les sous là. 25, ouais, c'est la même chose. En gros, tu as un jeu Pokémon. Bah en gros c'est du LOL mais avec des Pokémon en fait. Et je sais que mes potes y jouent et tout et celui-là je risque d'y jouer par contre du coup. Ah bah voilà, on est là, ok, un aubergiste, il faut que j'enregistre, oui. Pardon.
Maître dresseur, ok, alors attends, bah j'ai mon ordi portable, mais je peux pas streamer ni jouer à DVD, ni à WoW, ni à Apex. Ah merde. Ah ouais, mais du coup, donc t'as pu faire du LOL en fait au final. C'est ça bug pas trop, c'est League of Legends, d'accord, ok, ça marche. Bon, après, du coup, t'es un petit peu avec nous, quoi, quand même, mais bon, après, c'est vrai que c'est vachement limité, quoi, du coup, c'est dommage. Petite question pour la race alliée, faut. Attends, faut. Aller directement à Voldoun, pas besoin de. Alors, à Zuldazar, en fait, il faut que tu ailles. Tu sais, tu mets ton ambassade et la table, là, dans les pyramides, là, avec la princesse. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et en gros, la quête, tu l'as ici, et après, ils te font. Prendre une monture qui t'emmène jusque-là en fait. Voilà, mais la quête de base, ouais, elle est à Zuldazar. Merci beaucoup pour les petites bits, Macchio de glace. Titouan de Rebel. Du coup, Flo, la semaine. Ah ouais, mais du coup, on sait pas. Bon, je te le dis quand même si t'as ton PC qui revient. On se fait le. Comment ça s'appelle? La session DBD sans le son, tout le live sans le son. Donc il y aura Nîmes, il y a Twina, il y avait toi qui étais intéressé. On a aussi le grand Natalou. Donc du coup, on va voir comment ça se passe. Attends, ça m'embête. Moi, c'est pas grave, j'y retournerai parce que sinon, ça va être la merde. Voilà, donc on verra qui peut être là. Sinon, on refera la session. Hein, il n'y a pas de souci. Hein, si tu peux pas être là, par exemple, avec ton PC ou j'en sais rien. On avisera de toute façon. Mais voilà, donc séance DBD sans le son la semaine prochaine. Moi, c'est jeudi matin. Je me finis épisode 4 de oui, épisode 4 de la saison 4 de The Walking Dead. Et à partir de la semaine prochaine, alors je reprendrai certainement Mad Max. Et surtout, ce mois-ci, vu l'émission ABC Geek qui commence par la lettre R qu'on a fait l'autre jour, qu'on a fait dimanche soir, du coup, il y a un jeu que j'ai présenté, enfin dont j'ai parlé très très vite fait, que je vous ferai en live au moins le début. Je ne sais pas si je finirai entièrement et tout, parce que déjà à l'époque, je buguais dessus, en fait, j'ai eu du mal avec ce jeu. Et du coup, c'est Rule of Rose. Voilà, donc que je verrai. Oui, DVD nouveau tueur. Ouais. J'ai déjà pu expérimenter hors PTB, du coup, le nouveau tueur. C'est quelque chose. Et je pense qu'on va passer de grands moments. Alors attends, du coup, on va aller par là, parce que visiblement. Witch. P comme patatas. Fritas, patatas. Mais c'est ça. Oh, une quête. Bonjour. Secourez des putois, d'accord, ok. C'est quoi ça? Rocher mobile, hein? Ah, faut que je te pète la tête avec ça? Ouais, d'accord, ok. Oui, bon, écoute, moi ça me sert à rien ça. Ah ouais, en fait, il y a du monde là-haut. C'est quoi tout ça là? Ok. D'accord, ok. Alors le problème, c'est que, voilà, moi je suis. Ah, t'es pas en train de me. Non, même pas. Dégueulasse. Allez, viens. Ah non, 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 non. En fait, j'ai quasiment rien fait, en fait, J'ai même pas fini la zone des Andalari et tout. Non, non, je l'ai pas du tout fini. C'est la première fois que je fais. Et c'est justement pour ça que j'ai eu des soucis pour aider mon pote en fait. Hein. Parce que comme j'ai pas fait la zone, je l'ai découverte pour la première fois avec un autre personnage. Bah, du coup, c'était quand? Bah, hier. Hein. Et voilà, c'est tout. Donc, non, non, pas du tout fini. R comme rôti. Ouais. Rôti patate, on en revient avec la patate. Parce que du coup, oui, en fait, on avait la lettre R, donc on a parlé de Resident Evil. J'ai présenté quelques livres qui commencent par R, des mangas, etc. Dans le live, on avait parlé donc de Resident Evil, après de R-Type, et ensuite j'ai présenté les figurines Rock Candy. Que j'aime énormément et on a parlé de quelques petits films, des petits trucs qui commencent par R, donc tous dans le monde geek. Et le mois prochain, donc je vais faire ça tous les premiers dimanches de chaque mois. Donc là, on avait Noctin Game, Noctis avec nous et Tony qui était avec moi.
Et en fait, le mois prochain, on a tiré au sort la lettre P. Voilà, donc rebelote avec ça. Tu as déjà... Donc non, ça, pardon, j'avais vu. Allez, go, on continue. On a quoi là? On a un petit putois. Un putois, un toit. Petit putois, toi. Je vais continuer par là, t'as du monde. Et viens là, toi. Ah, viens péter la tête! Mais ouais, parce que je n'ai pas tourné comme il fallait, c'est ça qui est très très chiant. Ok, donc ça c'est bon. Oh oh oh, tu vas me péter la tête toi. Ok. Ok. Ah, ben voilà, bah tiens, viens aussi. Plus on est de fou, plus on rit, n'est-ce pas? Et du coup, Evans, je vais voir, mais là, j'ai envie de jouer ma chasseuse, en fait. Donc, on va voir, je sais pas, pour les prochains donjons, je pense que je vais essayer de me faire ma petite chasseuse. Je me suis bien éclatée, c'est celle que j'avais prise hier pour aller avec Millie. Attends, il me reste quoi, là? Un putois... Y'a rien à choper, ok. Yes, hey mon Chouba, comment ça va, petit drogué DBD? Attends. Le nouveau tueur, t'as pu le tester du coup? Parce que ça y est, là, il est sorti à 17h. Moi, j'ai mis 45 minutes, je crois, pour faire la mise à jour. J'ai pété un câble. Mais ouais, ça y est, c'est là. C'est là, et c'est assez fun. Ça fait du bien, le changement. Après, c'est très particulier et je pense que bah, quand même, je suis chiant en tant que maman. Ah, mais attends, j'ai tout fini. J'ai tout fini. Je voulais. Ah, le trésor, on va aller se le pécho par là, regardez. Allez. On a vu le chemin là qui a l'air d'y aller, donc on va essayer de voir. Ah, et bien écoute, tu me diras, il y a Nîmes et Guimpe qui sont dessus là, et c'est vrai que moi je l'ai fait tout à l'heure. Alors bon, je suis tombée sur quelqu'un qui le connaissait pas, hein, donc ça se voyait littéralement. Je pense que la personne n'avait pas fait le PTB en plus ni rien, même si du coup il y a eu des modifs. Il était où le trésor là? Oh! T'es où? Il était pas par là? Mais Mais c'est pas du juste, il est où mon trésor là? Eh! Bande de méchants là! Ah yes, alors ça s'est passé comment? Et moi le deuxième que j'ai eu par contre, ouais, il était un peu chaud, tendu ici quand même. Mais très sympa, moi j'aime beaucoup me battre contre lui. Après quand il te fait sa pluie de chaîne là, ça fait mal là. Voilà, on va faire comme ça, c'est pas grave. Alors...
Ça tunnel camp de ouf. Ah! Mais les autres tueurs, pas le Cénobite, si, le Cénobite aussi. Parce que le Cénobite, en fait, il a moyen de se TP. Alors, je crois que c'est qu'une fois, mais voilà quoi. La cupidité d'un gros chat, et ça se dit druidesse végétarienne, non mais où? Mais je vois pas de quoi tu parles. Non mais. Merci et surtout faites des câlins à Poda. Ok, je vais lui faire des câlins à Poda, t'inquiète. Intéressant le Cénobite, mais pété avec ses chaînes et le cube que tu es obligé d'aller prendre. T'es pas obligé d'aller prendre. Et sincèrement, les chaînes, tu te fous dans le casier, c'est bon. Moi pour l'instant j'ai trouvé ça. En gros, il faut que tu. Dès que tu entends qu'elle est là, ça fait un son particulier et tu sais quand elle va se lancer. Tu fais un gauche-droite en fait. Donc c'est très chiant, hein. Surtout tu peux pas faire de totem, tu vas pas pouvoir faire de gêne et tout. Soit tu attends la fin et dans ce cas-là, si tu veux pas te faire chier, tu te fous dans un totem. Dans un totem. Dans un casier. Moi en fait ça m'a aidé tout à l'heure. Oui, tu peux le faire. Alors, bon, c'est chiant, hein. Mais voilà, s'il est prêt, eh bien écoute, s'il est près de toi, tu te fous dans le casier. Le truc, t'as toujours les crochets affichés, mais il t'attrape pas. Et si tu es en train de rentrer dans le casier, que tu es dans l'animation, ça te chope pas non plus. Parce que je l'ai essayé en fait pour un chili au moment où il y avait toutes ces chaînes, justement. Donc j'ai galéré, parce qu'en fait, enfin j'ai galéré. En fait, faut vraiment, dès que tu entends le son, tchac, tu fais un petit gauche-droite. Je te dis, tu zigzagues un petit peu, tu fais juste un petit écart. Même lui, quand il arrive derrière toi avec ses chaînes, pim, pareil. Oh, je sais pas s'il y a une map. Il n'y a pas de survivant, ouais. Il n'y a pas de survivant, une map, je sais pas, ouais. Oui, ils se TP. En fait, moi par exemple, tu avais les deux portes, elles étaient assez proches. Et en fait, si tu regardes, à un moment, j'étais accrochée et il y avait un tout petit cube. Que l'autre, il est gros. Celui-là, il est quand même gros. Tu le vois, t'as son aura, tu sais, quand tu fais le truc. Et en fait, il y a un tout petit cube, en fait, par terre. Et je pense que c'est là où il peut se TP, en fait. Faudrait vérifier ça. Mais à mon avis, c'est ça, parce que c'est un petit cube tout petit, minus, que tu peux voir et qui se. Bah, il est électrisé en fait, hein, tu vois, il a des petites réactions électriques. Et je pense que c'est ça. Mais c'est sûr, dans tous les cas, il peut se taper. Ah, c'est ça, vous avez. C'est ça, les câlins à Poda. La meuf qui est à fond, quoi. Oh, la petite boutique des mascottes, c'est quoi ça, celui-là? Est-ce que tu marches, toi? Ah, si, 150 mascottes différentes. Ah, yeah. Dragon, c'est là, ça a été à côté. J'ai gagné un truc parce que j'ai eu au fait en fait. Ah, bah c'est cool. Bon, écoutez, tant qu'à faire, alors attends. Tac, 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 tac. 5 euros. Bon, bah écoute. Cool. J'en suis pas convaincue, cœur de glace. Attends, j'ai pas vu, j'ai raté quoi? Moi, je vois très bien. En fait, quand tu actives le cube, il peut se taper sur toi ou non. Oui, voilà, c'est ça. Moi, pour moi, alors, pas le gros cube hein, qui te sert à sortir de l'état, l'espèce d'état de transe là, où tu as toutes les chaînes qui te viennent sur la gueule. Par contre, c'est quand tu. Oui, il peut. Si. Ça, il te voit en fait. Donc après, je ne sais pas s'il peut se taper, mais en tout cas, le petit cube, il peut. Je vais attendre avant de me procéder pour 5 poules. Ouais, c'est ça. Non, non, bon, écoute, après. Voilà, quoi. Cœur de glace. Vous faites trop rire tous les deux. C'est très mémé. Alors, attends. J'avoue, j'ai pas regardé ce qu'il faut que je fasse. Là, il y a un truc à faire. Bonjour. Ah, ça. Page du journal, une sur quatre, d'accord. Faut que je fasse quoi? Page du journal, d'accord. Vas-y, toi, je vais te péter la tête. Salut! Un peu de cuir. Allez! C'est lui qui décide de se taper ou non. Oui, voilà. Bah, ah ouais.
Ah, ça me rappelle quelque chose là, tout ça là. Non mais oh. Ah, là, il y a une quête là-bas, on va aller se la pécho. Je t'aime aussi, ma princesse. Pardon, je lis tout fort. Mais moi aussi, je vous aime, vous savez. Je prône l'amour. L'amour, c'est beau. Surtout sur des BD. Faudrait qu'on se refasse une session Nîmes. Des BD, cœur love sur tout le monde. Ok, 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 il y a plein de tâches par terre là. Je sais pas ce qu'il faut faire là. On a vu qu'il y avait ça à péter. Alors vas-y. Monde ciel infidèle, d'accord. Bonjour. Comment ça va? Enfin, lui, j'ai eu un gris-gris sur toi, dis donc. Allez, viens là, toi. L'agresseur infidèle. C'est pas beau comme nom, hein, quand même. Hein. Agresseur infidèle, moi, ça me met pas en confiance. Hein. Ah, il y a un champion infidèle. Attends, parce que du coup, je regardais même pas. Toi, alors attends. Ouh, 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 ouh. Hey, coucou Alan, comment ça va? Welcome sur ce petit live. Tranquillou, chilou. Tranquillou, chilou. Wow, wow. On va à la rencontre des vulpérins. Il y en a une qui nous a sauvés. Et ça y est, là, on est en train de se faire des petites quéquettes. Tranquillou, bilou. Et en fait, c'est pour après, comment dire, pouvoir débloquer une race. Déjà, une race alliée de personnages. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup. Et surtout, à la base, j'arrête mes quêtes et je prends cette suite pour pouvoir aider Milichris, bah, que tu connais, hein, de la commu, qui prend le jeu. Et en fait, il avait un souci sur une quête, donc du coup, j'ai pas su l'aider parce que j'avais pas les quêtes de fête. Donc du coup, je corrige mon retard pour essayer d'aller l'aider après. Merci, moi je donne de l'amour tueur. Attends, que si c'est ma piscine qui joue tueur, c'est tout. Je toujours. Mais c'est trop mignon. Mais quand est-ce que Cœur de Glace elle se met à jouer avec nous? Moi je veux la voir sur des BD. Hein. Ah oui, d'ailleurs, ils ont changé le système de rank. L'affichage des ranks, mais en fin de compte, c'est la même chose. Hein. Anciennement, hein, j'ai l'impression, mais faut voir. J'ai eu un truc où on était vraiment que des personnes de mon niveau. On a cette espèce de lag, que des personnes de mon niveau ensemble. Donc, à voir si quand même le rank il est pas mieux foutu du coup, si c'est un hasard ou pas, quoi. En gros, bonjour, hein, comment ça va, toi? Hein, t'es sur mon chemin, non, mais on. Hein. C'est beau. Ah oui, c'est beau l'amour, hein. Ah, ah. Et sinon, elle n'a pas la console pour jouer à... Pour jouer à Dibini. Attends, c'est où, là? Mais c'est au-dessus, je m'en fous, là. Mais oui, c'est au-dessus, je me fous. Non, mais là, oh. Hey. Tiki, 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 blablabla. Et n'empêche que comme ça, elle pourra venir avec nous. Elle fera des sessions, des BD sans son avec nous, sans perc, sans... elle n'aura pas le droit de se soigner. Elle aura plein de malus comme ça. On va lui faire la totale, quoi. Ça vous dit ou quoi? Moi, ça me dit, en tout cas. T'as pas de console, mais non. Enfin, en même temps, je dis ça, moi, j'ai pas les consoles. Enfin, peut-être Toto, par contre. Mais moi, j'ai pas les consoles qui vont bien pour jouer. Bonjour, toi. Crollusque, c'est les chines, ok? Et un scarabée, il faut que je lui pète la tête aussi. Toi, tu vas me donner du queer. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais je vous le dis, hein, c'est beau, l'amour. Moi, j'aime l'amour. Et j'aime ceux qui aiment l'amour.
Vous vous donnez rien, voilà, c'est ça, bande de radins, quoi. Bonjour. Bonjour, Johanna. Comment ça va, meuf? Hey, salut, toi. Johanna ne réagit pas. Tu veux que je te proute sur la tête, Johanna? Tu vas voir si tu réagis pas. Alors en fait, c'est mon personnage est un druide, Alan. Druide tauren. Donc eux, en fait, c'est voilà, c'est un lion. Donc ça, c'est ma spécialité férale, en fait. Donc dégâts au corps à corps. Et en fait, j'ai d'autres formes. Donc déjà, ma vraie forme, c'est celle-ci. Voilà, ma forme de tauren. Humanoïde. Donc ça, c'est ma forme de combat. Donc tu vois qui peut se camouflette. Voilà, je suis fifu. Voilà, j'adore. Ceux qui font tank, ils ont cette tête-là. C'est des nounours. Après, selon les races, hein, des autres animaux. Il y en a, c'est des loups, je crois. Il y en a, c'est vraiment des tigres aussi, il me semble. Je sais même plus. Et les peintures sont pas les mêmes aussi. Et après, avec cette classe-là, j'ai aussi ma forme de vol. Donc là, c'est la forme de vol, la forme de transport, pardon. Donc là, c'est la terrestre. J'en ai une, si je vais dans l'eau, où en fait, je me transforme en phoque. Et j'ai pas besoin de faire attention à mon oxygène, etc. Enfin voilà, c'est tip-top, j'adore. Et après, donc dans les zones où je peux voler, en fait, je me transforme en oiseau. Et ce qui est vraiment très, très, très ultra pratique pour aller choper pour être tranquille. Tu viens, voilà, j'ai besoin de choper cette plante. Je veux pas me payer tout le monde, donc en gros, je vois là, je me mets là, comme lui là. Hop, j'appuie dessus, je me prends ma plante et je me renvole et je me casse. C'est un peu cheaté de ce côté-là, en fait, le druidou, mais c'est vraiment un gros big kiff, quoi. Après, c'est pas évident à jouer. Enfin, moi, je suis pas une grande gameuse, hein, tu sais, donc je fais pas comme il faut, je ne joue pas assez pour bien tout expérimenter et tout, donc voilà, quoi. Et coucou, ma Jaja, comment tu vas? Comment ça va, Sister Pritch? Quand elle sera à la maison, je lui offrirai, mais je prendrai des infos sur quel type de config elle a besoin pour faire tourner des BD. Ouais, 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 c'est ça. Faut regarder après des BD, ils consomment pas énormément. Je sais que Noctis, quand il avait pas son... quand il avait sa tour d'ordi qui était en panne, là, à un moment, il jouait sur un PC portable, par exemple. Donc, si elle a un PC portable et qu'après, ça lui dit d'essayer. Mais voilà, let's go, hein. Mais t'es méchant, toi, hein. Comment il m'a tapé, quoi. Ouf. Eh ben, chaudement aussi, hein. Comment te dire que... va mourir, sachant que demain, tu sais ce qu'on fait ou pas? Je te l'ai dit ou pas, Jaja, ce qu'on allait faire demain avec les filles? Parce que du coup, en fait, bon, je suis en mode je raconte ma life, hein. Donc, j'ai participé à un truc participatif. Pour projet Skillex, donc un roman participatif avec hop, attends, je regarde juste, ah ouais, j'ai fini ma zone, c'est bon, cool, hop. Et en fait, le livre qui est édité, ça y est, ils ont fait les envois, sauf qu'en fait, mon mondial relais local qui est à 1 km, même pas de la maison, est fermé. Donc j'ai eu un petit SMS gentil il y a quelques jours pour me dire attention madame, il faut aller à Sanguinet pour chercher votre colis. Sanguinet. Alors, 25 minutes de route, tout ça, quoi. Donc, c'est mignon. Ça dérange pas. Je fais ça un mercredi quand j'ai les filles, parce que Sanguinet, donc, il y a un lac. Et il y a une serre aux papillons que les filles rêvent d'aller voir. Et qui ferme, justement, le 15 septembre pour l'année. Oui, je sais que c'est pas le même département. Ah ouais, ouais, mais je sais, Loulou. Bah, Biscarros, c'est pas le même, hein. Et bah, c'est juste avant Biscarros. Par rapport à nous. Donc, voilà, quoi. Sanguinet. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, là, je me fais. Bah, j'ai demandé à mamie. Donc, elle vient avec nous. Elle vient manger, en fait, demain à la maison, ma mère. Et du coup, on va se faire. Sanguinet, petite balade l'après-midi. Parce qu'en plus, de toute façon, le point relais, c'est un truc d'opticien. Et de toute façon, la, comment ça s'appelle,
la serre aux papillons, et ils sont ouverts les deux que à partir de 14h et l'autre 14h30. Donc du coup, on va manger tranquille, après on va se faire une petite demi-heure de route au soleil, et puis après on va y aller quoi. Voilà, il est là, voilà, je dois chercher. Sacré l'étau. Voilà pour un livre qui devait arriver à 1 km là où je fais mes courses, quoi. C'est magnifique. Ah, t'es mignon, Alan. Alors, tu m'as grandi un petit peu. Tu m'as grandi un petit peu, puisque je vais te dire un secret d'état. Je fais 1m66. Officiellement. Officieusement, elle fait 1m50. Connard. Saloperie. Méchant. Pouette. Cool, mammifère. Ouais, elles sont contentes. Et tu sais ce qu'elles me disent, les filles, quand elles savent que on va faire. Comment dire. Qu'on va voir mammifère. On va dormir chez mammifère. On va dormir chez mammifère. Non, vous n'allez pas dormir chez mammifère, les filles. Et non. Bon, alors attendez. Parce que là, on va prendre une petite monture. Faut que je me fasse la zone et que je m'approche assez pour pouvoir avoir le petit point jaune en fait. Ah bah voilà, tiens. Ah bonjour. C'est la dernière. Ah oui. Attends, mais laisse-moi te choper. Laisse-moi te choper, quoi. Sacré détour. En effet, donc du coup, si le. Donc on a de la chance parce que le. Comment ça s'appelle la serre à papillon, elle est ouverte jusqu'au 15 en fait. Je savais que c'était en septembre, mais je ne savais plus quelle date, septembre ou octobre, que ça devait s'arrêter. Bah, donc du coup, on a pile la chance d'y aller là, quoi, parce que sinon, on l'aurait fait l'an prochain, en fait. Et puis bah, du coup, donc demain, il fait chaud. Il y a prévu des orages, donc on verra comment ce sera, quoi, au jour le jour. Et dans tous les cas, on va là-bas, si c'est avec ma voiture, il n'y a pas la clim. Maman, je sais même pas si elle a la clim de toute façon dans sa voiture. Et bon, après, il n'y a pas grosse route. Et en fait, si c'était fermé, on avait dit avec ma mère qu'on irait au lac en fait. Mais par contre, on fera pas tout parce qu'à mon avis, on va vraiment mourir de chaud. Hein. Et la serre aux papillons, bah, autant vous dire que c'est température tropicale dedans. On va perdre 20 kilos rien qu'en respirant dedans quoi. Nous sommes prêts à partir. Allez, vas-y, les gros, je lis même pas, quoi, c'est ouf. Pour refaire des verres à ta... Ouais, alors, sauf qu'en fait, ça me ferait chier d'avoir à nouveau des lunettes. Mais bon, après, t'as plusieurs types de problèmes de vue. Sachant que il y a quelques années, j'ai subi l'opération pour justement ne plus porter de lunettes parce que je ne supportais plus. Et à la base, je suis myope, mais une grosse myopie. Et là, en fait, j'ai subi l'opération, donc je suis bien, je suis à 10-10, hein, voilà. Mon frère, lui, il a subi l'opération, mais par contre, il était plus jeune, c'était le plus jeune en France à l'époque, d'ailleurs, à l'avoir fait. Et en fait, sa vue était moins faible que moi. Par contre, il a, je sais pas, genre 15-15, enfin voilà, quoi. Et c'est une vue d'aigle, vue de lynx, vue de tout ce que vous voulez, voilà, quoi. Pas de clim dans sa voiture, ouais, voilà, mais c'est ça, mais on va y aller tranquille ou chill de toute façon. Puis on va voir. Alors, c'est mercredi, jeudi ou jeudi, vendredi, je crois que c'est prévu. Et ma mère, je l'ai eu, alors en tout cas, alors bon, il y a une trentaine de kilomètres entre elle et moi. Et en fait, elle, sur sa ville, c'est prévu demain. Et moi, j'avais regardé hier et je sais plus, c'était. Il y avait 2 jours où c'était prévu. Ouais, faut que ça pète et après un petit peu de pluie, ça ferait pas de mal en fait. Ouais, là c'est. On est en mode. Je suis devenue une flasque. Oui, ce que j'allais dire, on est en mode. On se décompose, on dégouline. Voilà. C'est magnifique. Comme diraient mes filles. Tu te prendras des verres anti-lumière bleue. Pourquoi pas? Ouais, courage à tous. Hein. Et surtout, hydratez-vous. Rafraîchissez-vous comme vous pouvez. Restez à l'ombre, casquette, tout ce que vous voulez. Et puis voilà, faites attention à vous les loulous. C'est bon, t'arrêtes déjà cassé? Allez, vas-y, let's go, on y va. Je regarde même pas quoi, ce truc de ouf. Ah, une quête. Hop là. Ok, là on voit qu'il y a des gens à péter. Bonjour madame.
Comment ça va, madame? Espèce d'assassin furisé sale. Naméo, ça va pas dans ta tête, madame? Alors, bah vas-y, faut qu'on monte. Bonjour. Et salut, toi, tu veux un petit bisou, madame? Sacoche abîmée, ok, faut que je trouve des sacoches abîmées. Bonjour. Salut, petit troll. Comment tu vas? Un petit bisou. Pouette. Bien sûr. Et en... Tais-toi. Oh, le commentaire. Ah. On va voir les battre après eux. Ok. Trop lit, trop lourd là. Oh, bonjour. Et comment ça va? Ça valait moins bien quand je serais pété la tête. Hey. Oh la vilaine. Espèce de voleuse, va. Assassine. Kukuoksune. Oui. J'espère que ça va bien quand même, Mox. Parce que je sais qu'en ce moment, c'est assez compliqué. J'espère que ça va. Je vous laisse tranquille, justement, parce que je sais que... voilà, c'est parfois un peu compliqué. Et puis, bon... occupé aussi, mais bon. Mais tais-toi, toi. Mais t'arrêtes de me faire des blagues. Mais elle est méchante, elle. Hein. Espèce de troll, ben. Non, mais oh. Alors, attends. Yes, Alan. De gros, gros, gros bisous à toi. Merci encore d'être passé par là. Et, bah, voilà. Hein. N'hésite pas à repasser quand tu veux. Ah, voilà. Eh, eh, saloperie. Alors, voilà. Bah, ça, c'est les... c'est une quête comme ça où j'ai pas pu rentrer. C'est des trucs insensés. Mais si t'as pas fait la série de quêtes, tu peux pas rentrer avec quelqu'un en fait. Tout ce qui est quête, comme j'ai fait depuis tout à l'heure, je peux. Mais ça, je pouvais pas rentrer dedans. Et il avait un boss à tuer dans un truc comme ça. Et j'ai pas pu aller l'aider, Mini. Alors attendez, hop. Merci pour les bits pout pout. Et coucou fille, comment tu vas? Merci Evan Flo. Défonce tout petit chat, sinon je change pas ta litière. Elle me troll, la troll. Non mais t'as vu ça? Non mais je vais lui péter là. Hein, ça va pas madame quoi? Je peux y aller ou pas maintenant? Non parce que... ouais voilà, ok. Donc c'est ça. Là il faut que je lance le truc. Puis je vais avoir la quête. Il va falloir que j'y aille dedans. Mais ouais, c'est ça en fait. C'est ce truc-là en fait qui me bloquait. J'ai pas pu aller l'aider en fait. Donc on va se débloquer tout ça. Oh, il y a une jolie grotte là-bas. Jolie grotte, grotte, grotte là. Oups. J'ai failli vous louper, vous. Bien sûr. Mais t'inquiète, et puis si je meurs, je meurs, qu'est-ce que ça peut te faire? Yes, allez. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Blablabla. C'est quoi ce machin? Hop là. Alors j'ai de la chance, en plus ils m'attaquent pas parce que je suis trop level pour eux. Mais je m'y prends vraiment comme un caca, hein, par contre, hein, parce que je pourrais les péter plus vite que ce que je fais. Hein. Je suis vraiment en mode glandu, mais c'est pas possible. Je suis une joueuse en bois, mais de ouf, quoi. Vous avez un skill, mais de grand malade. Ça va, j'ai bien commencé le boulot. Oui! Oh là là, ça doit faire du bien. Alors, attends. Donc du coup, ça s'est bien passé. C'est des nouveaux patrons, tout ça, tout ça, tout ça. Mais... quoi? Ah oui. Ah oui. Et toi là? Ça sert à quoi là ça? Plantation de graines. Composant manquant, d'accord, ok. D'accord, donc il faut que je les pète, je suppose que c'est là-dessus. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut mec. Hein.
Ah, c'est ça, regardez. Ploup. Combien? 2 sur 8. Ok. Toi. Hop. Toi. Alors, attends, Et 20, c'est tous les jours au Bataclan. Très sympa, l'équipe. Ah, génial. Ah ouais, Evans, on attend de voir ça avec impatience. Hein. Et franchement, fils, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool si ça se passe bien. Et bah, ça ne va faire que du bien, n'est-ce pas? Ça, c'est des bonnes nouvelles comme j'aime. Hop là. Tac. J'arrive, je sors l'extérieur, j'arrose, je commence l'arrivage. Attends, je me suis plantée, j'ai fait quoi là? Ah oui, d'accord, ok. Ok. Ok, fille. Je me coupe, je saigne et ça ne peut plus s'arrêter. Putain. Toi, t'as une espèce de shkoumoun. Faut dire ce qui est, hein, n'est-ce pas? Mais t'as vraiment... je sais plus ce que tu t'es fait aussi. Bah, c'est pas... t'es blessé aussi au doigt. Hein. Je crois déjà... une autre fois aussi. Bon, après, en même temps, tu es avec des objets tranchants et tout. Hein, avec les ciseaux, les machins. Donc bon, mais... Mais voilà, fais attention. Tu nous fais pas un sashimi à la Toto, là, à 2h du mat, où je dois faire venir ma mère, justement, comme je disais, qui habite à 30 km. La faire venir à 2h du mat pour surveiller les filles, pendant que nous, on va aux urgences avec Toto, n'est-ce pas? On fait pas ça, hein, c'est pas drôle. Et me fais pas le kéké derrière à dire « Mais je savais quand même soigner. » Je te vois venir, hein. Attends, je regarde le chat, bim. Alors attends, parfait go pour la molaca. C'est ça. 2 minutes après, je suis un malaise, je reprends mon esprit, je reprends le... Oh là là, mais mon Dieu. Mais non! Pourquoi t'as perdu trop de sang? Que tu faisais des malaises? Ou c'est la chaleur? C'est t'avais pas mangé? Le stress? Qu'est-ce qui t'est arrivé là, sérieux? Mais c'est un bon premier jour. Mis à part ça, tout s'est bien passé, quoi. Hop là, alors là, ils me disent qu'il y a un trésor. C'est où le trésor? Par là. Yes. Bizarre. Il y a une bouboule là, je sais pas ce que c'est la bouboule. Allez, on y retourne. Donc on avait vu qu'il y avait de l'autre côté la même chose que l'espèce de caillasse qu'on vient de se faire. Alors... Allez go. Let it go, let it go. Je ne dirai rien. Merci, merci, merci. Je valide. Je valide, Toto. Silence. Silence, please. Non mais oh. Oui, à part ça, c'était super. Bah, au moins, t'as testé tes collègues. C'est ça ce qu'il faut voir. Ils t'ont pas laissé de vider de ton sang ou quoi que ce soit. Non, quand même, j'espère qu'ils ont fait quelque chose pour t'aider, quoi. Attends. Hop, 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 hop. Plop, 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 plop. 58. 58. Bim. De toute façon, ce serait étonnant que j'ai quelque chose de plus haut. T'inquiète, Toto, je soutiens. Les femmes ont le chic de nous rappeler nos petites erreurs de mec viril. Ou de mec pas viril aussi, hein. Ça arrive, non? Je ne sais pas à cause de quoi c'était. Bah écoute, je pense que c'est le karma, en fait, non? Je sais pas. Parce que... je sais pas. C'était pour t'embêter, ils ont dit tiens, on va aller lui faire des petites blagues là et attends, elle est où la quête là? Jorak. Vas-y, vas-y. C'est pas grave.
Vraiment, ça va être ça la quête, non? Ah, bah c'est toi. C'est même pas Jorak, espèce de traître. En route vers le temple. Ah oui, mais non, 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 non. Non, non, je la prends plus tard, je la prends plus tard. Ah oui, il faudra que je... Oui, oui, donc tu vas attendre, je vais faire la quête là-haut, là. C'est ça. Faut que j'arrête, j'ai la connerie. Mais non, c'est beau la connerie, c'est bien. Attends, je suis partie trop loin, là. Il est où mon passage? Attends, je l'ai perdu. Là. Laisse-moi tranquille, je t'ai dit, tu es. Non mais oh. Ouh, regardez là. Une espèce de gros serpent géant là. T'as vu? C'est une jolie... Ah, voilà, regardez. Ouh. Attends, un truc par ici. Hop là, un caillou dans l'eau, vas-y. Bonjour le caillou. Ouh. Hein? Bonjour, bah t'es pas un caillou en fait, ok. Ok, j'ai compris quoi, non mais oh. D'où t'essaies de me défoncer la tête toi? Oh. Tu me donnes rien, saloperie. Non mais oh. J'hallucine quoi. Radin. C'est même pas une question de virilité. Je me coupe, j'ai pas mal, je vais aux urgences. L'urgentiste me massacre le doigt. C'est ça. Oui, en fait, bon, si vous êtes allé sur la chaîne de Toto, vous en avez certainement entendu parler, même peut-être sur la mienne aussi. Hein. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que aux urgences, en fait, ils ont anesthésié le doigt de Tony pour faire les points de suture. Sauf qu'en fait, le mec n'a pas attendu que ça fasse effet. Et il a attaqué à vif, du coup, le doigt. Voilà, donc c'était très charmant. Et c'était mal fait, en plus. Enfin, c'était mal fait, il n'y a pas... Bon, je crois que t'as même pas de cicatrice, en fait. Mais par contre, ouais, c'était pas GG, quoi. T'avais eu une petite réaction à un moment et tout. Si, si. T'as une cicatrice? Si, si, j'ai une grosse cicatrice. Attends, il faut que je suive, là? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon, il vous la montrera, sa cicatrice de guerre. Vous inquiétez pas. Il vous la montrera un jour. Vous ne le verrez plus du tout du même œil. Il essaye de faire des sashimi de lui-même. Je ne savais pas que j'étais aussi affamée que ça, mais... Il est généreux, quoi. Il est généreux. Alors, attends. Blablabla. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je me suis fait soigner par ma patronne parce que avec une main et l'autre inutilisable, avec le sang qui ne s'arrête plus. Et après, j'ai eu le droit à une deuxième infirmière, sa mère qui m'a refait le pansement correctement. Après, être allée chercher des strips et deux ou trois autres... Oh là là, le bordel. En attendant, t'as eu des infirmières, quoi. Non mais, au moins, c'est pas des infirmières à la Silent Hill, quoi. Je pense que, voilà, tu serais pas là sinon. Accrochez-vous, ça va te secouer. Si tu le sais... Ils sont en train de se faire un petit truc là, cœur de glace et Evans, ou loulou. C'est de la calomnie. Ah bravo, mais on veut tout savoir. J'aime bien la musique. Hein. Bonjour, hein, Dingo et Dolly. Non, oh, voilà, je laisse la vue sur les cucules. Ah, saloperie. Tu m'étonnes, moi j'aime bien, c'est mignon. Elle est trop mimi, elle. Mera. Oh.
Bonjour. Et bonjour et bonjour. Moi, on parle bien de l'idéal, même de l'honnêteté, voyons. Mais nous n'en doutons pas une seconde. Alors, apporter l'offrande, habit de choses. Ok, et avant, il y a ça et un trésor. Bonjour, le maître de vol, comment vas-tu? Et on a un trésor par ici, là-haut. Ah, tu m'as interrompu, saloperie, là. Non, mais oh, moi qui espérais que j'ai le temps, hein. Bande de méchants, quoi. Mais non. Et le flagellant, mais pourquoi t'as pop sur ma tête? Mais t'es trop méchant, toi aussi. Mais je vous aime pas, vous. Non, mais oh. Mais ils sont méchants. Vous avez vu comment ils m'ont attaqué gratos, là? Non, mais j'hallucine. Ma patronne m'a dit presque que du positif au niveau de la qualité de mes bouquets. Yeah, mais c'est génial ça, ça commence bien. Ouh, c'est quoi ça? Bonjour, je dois faire quoi? Assiette et brichet de Julie. Ouais. Ouais. Ok. Bonjour, je vais aller dans une instance et regarder ce qu'il y a derrière. Akunda, Akunda Matata. Alors. Ah. Il y a une quête par là. Voilà, histoire de dire je t'ai parlé. C'est quoi toi, fourniture herboriste? Courrier, ok. Bon bah écoutez, il y a plein de trucs à faire par là. Qu'est-ce qu'on a? Des goinfres, des machins, des trucs. Oui, ok, donc j'ai 3 tonnes de bidules par là-bas. On va faire comme ça. Des vapeurs, MDR, t'es un clown. Casse leur gueule, montre que tu es un chat vegan, chacha. Yes, non mais totalement, moi, je suis anti-viande, quoi. Après, je suis pas anti-viande en vrai. Hein. Alors, je suis pas fan. Je veux pas savoir comment c'est cuisiné, comment c'est fait, comment c'est bidule, comment c'est truc. Mais c'est juste que je suis très compliquée en fait. Mais tu sais, me plus. Et que je n'aime pas. Il y a certaines bestioles par contre que je veux pas manger. Ouais, ça c'est vraiment. Tu me verras pas manger du lapin ou du cheval par exemple. Eh ben, bonjour toi. Bonjour le goinfre qui pue là. T'as mangé un cheval, toi, justement. Tiens, bim, dans ta goule. Vilain. Je viens de mettre des photos de mes bruits. Super, yes, merci. Et d'ailleurs, j'avais une demande quand... alors, une demande de Jaja, je sais pas si elle est encore là. Que tu nous mettes, justement, quand tu fais... bah, comme t'as fait avec moi, c'est des fois, tu m'envoyais en privé des trucs qui t'intéressaient. J'ai pas fait mes envois, hein, d'ailleurs. Hein. Je vais voir si je peux le faire jeudi ou vendredi, mais j'ai pas encore fait les envois. Hein, mais ça passe pas à la trappe. Hein. Juste assez compliqué. Ce serait même plus vendredi, vu que jeudi, je suis en live le matin et que je vais souvent faire mes trucs le matin. Bref, donc du coup, tout ça pour dire que... Voilà, donc ce qu'elle voulait, c'était que tu, quand tu as des petits trucs que tu fais, des petites présentations que tu fais, que tu peux vendre, que tu peux nous avoir, comme tu as fait la dernière fois, bah, tout simplement nous prévenir, en fait. Moi, après, selon le moment, peut-être que, tu vois, je peux repartir sur du giveaway parce que je trouve ça intéressant et bah, ça change. Et puis, ça fait un giveaway avec qui fait participer bah, la commu. Et vraiment, voilà, c'est ton travail, c'est quelque chose. Enfin, moi, j'adore, donc voilà. Et puis, tout simplement, bah, voilà, pour nous, perso, moi, je sais que j'aime énormément et les filles étaient très, très contentes. Hein. Par contre, c'est vraiment quand je leur ai montré... le rose blanc, les présentations rose blanc et rose et rouge pardon, c'était oh là là mais trop beau trop beau trop beau trop beau, elles ont mais surkiffé. Mais t'arrêtes toi, hein, Marthe, laisse-moi tranquille.
je t'aime pas. Qu'est-ce que tu es? Les meilleurs, ils sont violents avec moi, hein, j'hallucine. Je pense quand même être plus élégant que le clown dans le DVD, sinon je me serais déjà défenestré. j'avoue, le clown, s'il se déguise, c'est pas pour rien, je pense. Hein. Oui, t'es un beau clown viril. Oh, Evan, ça, bravo. Alors, attends, je me permets juste d'aller vite fait. Hop. Ceux qui ont Discord, n'hésitez pas. Donc, il l'a mis dans vos créations, blabla, vos créations. Et, ah, yes. Ah, celle avec les fleurs violettes, la petite fleur rose et machin. Alors, je sais pas les noms. Hein, donc, voilà, hein, grosse cruche. Je connais les roses, déjà, c'est bien. Le deuxième avec les différentes couleurs, c'est vrai que c'est super joli, j'adore. Attends, je remets sur... Attends. Ah, ah bravo. Nameo. Toi là, vas-y, bim dans ta tête. Encore ananas. Et toi là, viens là, toi, tu m'énerves. Tu m'énerves. Plop. Ok, il me manque deux à péter. Je sors de la zone, donc non, on va retourner par ici. Il y a toi. Bonjour. Bonjour, tu veux un bisou qui griffe? Je peux te donner ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, vous, c'est bon. C'est quoi? Il manque un os et des antennes de je sais pas quoi. Nanas, où es-tu? Et toi, c'est par là. Par là où? Il y a un truc, là? Il y a rien, là. Ah, mais le mec, il se déplace. Regardez. Mais non! Ah, là-dedans. Wachachou. Bah, tiens, un os. Qui veut un os? Ah, mais bonjour. Mais je vous ai rien demandé, moi. Non, mais bande de méchants, mais comment ils sont, quoi? Alors, attends, je vais chercher un peu long. Non, 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 il n'y a pas de souci, tu sais. Voilà, il n'y a pas... je pense que Evan, ça a de l'humour. Nous, on te connaît aussi. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, il faut que j'aille par là. Bonjour, Rogrogrogog. Elle dévore. J'attends pas jusqu'au bout hein, de mes 5 points de rage là. Parce que normalement je suis censée faire plus de dégâts en fait. Plus tu vas au fond avec le druide. Donc là sous la barre d'attaque, là il y a 5 points et en fait selon tes actions tu gagnes des points de rage. Et quand tu arrives à 5, tu fais plus de dégâts. Attends. Sur celui-là par exemple. Voilà, si je le fais trop tôt, 256 pour un seul point contre 1200 si je mets les 5 points. Voilà, ça n'a rien à voir. T'as celui-là aussi. Ça, c'est des dégâts sur la seconde, en fait, sur la durée que tu lui mets. Et voilà, la durée est augmentée et voilà, ça fait plus de dégâts, quoi. Donc, faut pas s'il y a des petites choses comme ça et pas jouer à la nawak comme moi, quoi. Voilà, je vous déconseille de jouer comme Charesse, en fait. Voilà, si c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, je pense. Parce que moi, je suis une glandeuse. Hein.
Je suis vraiment là pour faire mon petit truc chiloubilou. Je fais mes quêtes, basta, bim boum. Et je suis contente. Un modèle à ne pas suivre. Merci pour la petite chanson. Merci pour les bits. J'adore Killer, Killer. Et pourtant, c'est pas moi, hein. Killer sur DBD, pas Killer. Et nunu. Et nunu. Je te donne le fond de ma réserve. Merci. Tu racles, merci beaucoup. T'inquiète, je fais la même moi aussi. Et je donne. Ouais, je donne souvent per petite. Ah, attends. Sérieux? Oh. Mais toi, tu m'intéresses? J'ai un niveau. Ah oui, mais attends. Ah oui, mais ça, c'est. Oh. C'est pas grave. Hakuna Matata. Arrête, je vais le voir à chaque fois, ça. Merci. Tu frottes, tu frottes, tu frottes. Ah là là, t'es adorable. Merci, mon fils. Merci pour ton soutien éternel. Et va pas trop loin, fille, quand même. Hein. Merci. Alors, attends, je sais ce que j'ai foutu. Tiens. Non. Alors, attends. C'est ici. Tout à l'heure, je me suis tapé à Rogrimmar et j'ai oublié de remettre ma cape normale. C'est pour ça. Donc, ça, gna 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 gna. De la maille, je peux pas. Et voilà. Je vais aller vendre. Histoire de dire, mais bon, 45 places, ça devrait aller. Merci au BitBit, hein, grâce à qui j'ai un peu plus de place, du coup, hein, puisque grâce à BitBit, j'ai gagné des sacs plus grands. Voilà, c'est grâce à notre chef de guilde et à des petits cache-cache que nous avons fait l'autre fois. Donc, j'avais gagné des sacs. Alors, attends. Ah, là, faut que j'aille par là. Pas encore dans un sens. Ok. T'as percé la réserve. Oups. Oups. Et merci, en tout cas, d'avoir fait péter ta réserve. C'est très gentil. Merci beaucoup, fille. Tu es une adorable. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je tue les hyènes. Ok. Là, ça a l'air de puer. Je suis pas sûre d'avoir envie d'y aller. Oh, il y a un petit lien qui va y aller. Il va mourir, lui. Non. Oh, parce que vu qu'il y a des trucs, là, on voit. Ah, bah si, là, regarde, ça en est. Ça en est. Oh là là, mais ils sont en train de mourir et tout. Ok. Et là, méditer au sanctuaire. Oh, il faut que j'aille méditer en plus, quoi. Ah, bah tiens. Bonjour, madame. Tu vas me donner du cuir, tu es. Mylène Farmouze. Allez, go. 20, c'est. Messi. Messi, fille. C'est du soutien. C'est. Voilà, c'est inconditionnel. C'est inébranlable. C'est tout ce que tu veux. C'est très gentil. C'est de la pure gentillesse. Et franchement, merci beaucoup. Hi. Mais allez! Il y en a un qui fait dodo, je vais aller lui péter les fesses. Vous êtes prêts? On va aller lui péter les fesses. Wink. Mais pour une personne aussi gentille que toi, c'est... Oh! T'es adorable. Merci, fille. On fait ce qu'on peut. Et tout simplement, j'ai envie de dire parce que vous le valez bien. Novembre, je fais un tournoi DBD. Je sais pas si t'étais là quand j'en ai parlé, fille. Donc, tant que j'y pense, je te le dis. Courant novembre, la première quinzaine avant que le DLC là, de Stranger Things disparaisse. Je vais vous faire un petit tournoi DBD qui sera sur inscription. On verra comment on s'organise, ben, quand je saurai le nombre d'inscrits, etc. Hein, bien sûr. Et bon, ce sera... tranquille ou chilou, hein, dans tous les cas, hein, tu commences à me connaître. Et en fait, il y aura des petits DLC, des petits trucs à gagner. Voilà, une petite figurine, tout ça, tout ça. Voilà. De toute façon, je vous en parlerai en temps et en heure. Mais ce serait pour la première quinzaine, du coup, de novembre.
Bah, peut-être juste avant ton anniversaire, parce que de mémoire, c'est quoi? C'est le 16 novembre, non? Ton anniversaire, c'est quelque chose comme ça, je crois. 16, 18, 16, je crois, non? Avec la Toussaint, ok. Non, non, mais c'est la première quinzaine, hein. Je sais pas quelle date, hein, mais... On va voir. Ah! J'ai perdu. Au crochet, au pilori. Au pilori, la chair, c'est le combien? Alors, je sais que je l'ai noté dans un agenda. Mais là, je t'avoue que comme je suis en jeu, j'ai pas regardé. C'est le combien, du coup? Moi, c'est le 3. Et toi, c'est... Mais c'est après moi, toi. Mais c'est dans le 10 quelque chose. Dans ma tête, c'est vraiment le 16. Je sais pas pourquoi, alors. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, j'irai voir. Devine plus. Mais non, c'est pas du juste, hein. T'as 30 jours en novembre. Hein. Même pas drôle. Attends, est-ce que je peux tricher? Vas-y. Est-ce que c'est celui-là, le mon calepin, où j'ai noté? Alors, j'ai qui ici? J'ai Zolé, Flo, RCS, Tim et Super Sirène. 19! Mais j'ai été presque, j'ai dit le 16 ou le 18. C'est le 19, fille. J'ai pas triché, hein, c'est pas vrai. Hein. On n'a rien vu. Hein. Mais comment tu fais ton mystérieux, quoi? J'hallucine. Et comment tu vas même pas vouloir oser nous dire que du coup tu vas avoir 77 ans, quoi? C'est ça que t'es en train de me dire. Hein. Mais assume ton âge. J'allais te donner un indice. Mais je t'ai doublé. C'est où? T'es où, toi? C'est quoi qu'il faut que je fasse, en fait? Attends. Méditer au sanctuaire? Il est où, le sanctuaire? C'est pas ça, le sanctuaire, quand même. Là? Ah, purée. J'ai pas vu la grotte. Aveugle. Comme dirait un certain Evans Leloup, Gilbert Montagnier, quoi. Mais, t'accouches ou quoi? 78, oh, j'y étais presque encore une fois. Hein. Ah! J'ai ma canette de coca à la bouche, quoi. Je peux même pas boire tranquille, quoi, j'hallucine. Par contre, j'ai tué un loup. Non, mais je suis... Ah ben oui, mais c'est moi-même que j'ai tué. C'est mon démon intérieur. C'est quoi cette connerie? Je me suis tué moi-même. Wolfie! Ah, il t'avait caché son âge. Comment vas-tu? Ah, fille, je suis déçue. Hein. Je savais pas que t'étais comme ça. Non, mais t'as caché vraiment ton âge à ton chéri. Non, mais j'hallucine, quoi. Ça se fait pas, hein. Ça se fait pas, ce genre de choses, hein. Je suis pas d'accord, là. Hein. Il va y avoir du pampan cucu, là, hein. Il y a du pampan cucu qui se perd, hein. Nîmes, on a besoin de toi. Il y en a qui veulent pampan cucu. Choqué, déçu. Non, mais c'est ça. En plus, il tape dans du jeune, j'en peux plus, lui. C'est ça, non, mais c'est... C'est un cougar, quoi. Comment tu dis pour un homme? C'est un cougar. Non, mais sérieux, quoi. Je sais pas quoi penser. Je suis choquée, là. Mais je suis vraiment choquée, les gars. Fille, il a menti sur son âge. Il a caché son âge à Wolfie. À Wolfie, qui a 4812 ans. Il lui a caché son âge. Donc c'est... Non. Il faut pampan cucu, là. Ma vie s'effondre. Mais oui, mais non, mais je suis... C'est quoi, ça? Attends, je vais lire le truc parce que je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Mais je suis choquée, hein. Moi, je vous le dis. La vie que vous avez vécue jusqu'ici, elle n'a plus de sens. Tout ce que vous avez fait et la personne que vous étiez doivent à présent être oubliées. Révélez votre véritable nom afin que tous l'entendent. Je me nomme Akunda l'agile, Akunda l'imperturbable, Akunda l'intrépide. Mon nom n'a pas changé. Allez, vas-y, moi, je fais l'agilité, alors je vais dire l'agile. Je sais pas ce que c'est, ce machin. Ok. Vous pouvez désormais entendre le mot d'Akunda.
Akunda, Akunda. Na 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 na. Mener l'enquête dans le temple d'Akunda. Oh. Ouais, t'inquiète, on y va, regarde. Mais j'ai peur là, mais c'est quoi ça? Oh, non, c'est bon, ils sont jaunes et machin, vas-y. Je me mets un fufu quand même. Rakera, réveille-toi, réponds. Attends, en fait, il se la joue à la Walking Dead, en fait. Nous sommes tous... Attends, comment il s'appelait celui-là avec sa batte de baseball, là. On est tous je sais pas quoi, là. On est tous légion, c'est pas ça, mais... je sais plus son nom. Qu'est-ce qu'ils disaient tout le temps? Attends, il faut que je fasse quoi, là? Negan. Ah oui, je suis Negan. Negan, merci, Negan. C'est ça, merci, Vance. Merci, mon loulou derrière. Mais non, t'inquiète pas. Tu vas juste tomber de ta chaise comme un vieux croulant, c'est ça? Et la vieille, t'es plus vieille que moi, je te rappelle. Non, c'est pas vrai. Et si, comme tes dires le disent, je suis un bébé, pour toi, quel âge peux-tu bien avoir alors? Tu te rajoutes quelques petites centaines d'années, ça devrait le faire, hein, je pense. Hein. Attends, c'est tout? Ah, attends, si, il y a une quête là. J'ai failli pas te voir, toi. Akunda le sensé. Trouver machin truc dans la vallée des chagrins. Ouais, ok, ok. C'est bon? Ah, je peux même pas mourir là-dedans, c'est même pas drôle. Oh, d'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui ont commencé à regarder la dernière saison de Walking Dead qui a commencé. Apparemment, elle se fera en 3 parties. La première, si j'ai bien compris, ça va être sur Negan et comment elle s'appelle, celle qui a eu bébé et tout là. Voilà, ce serait plus sur eux. Bon, je me suis fait spoiler un truc sur 2 personnages. Donc ça, je vais rien dire dessus. Et ouais, ça a l'air assez assez chouchou avec ce qu'il y a, les nouvelles images et tout. Ça a l'air sympatoche quand même. Hein. Eh ben, genre, je sais pas ce que tu fais ici. Et moi, qu'est-ce que je fais ici? Je suis en train de te parler. Ah, t'as un trou de mémoire, d'accord. Mémoire traumatique. Ok. Oh, oh non, j'aime pas ces monstres. Les souvenirs. Allez, ta goule. Je les aime pas, ceux-là, moi. Je veux pas. Non, mais oh. Les souvenirs poète-poète, là. Hein. Ah. Ouais, presque sa fille. Tu comprends pourquoi on dit que je suis une cougar avec Toto? Pourquoi je suis en train de ma chaise? Alors, si tu préfères qu'on passe... Vince. Non mais dis donc, Vince. Elle est chaud cacao là. Dis donc. Attention, hein, y a du jeune par ici. Hein. Tu vas choquer l'auditoire. Un mariage en vue? Ouh. Trop bien. J'espère que je serai invitée. Alors. Ah. Tais-toi, toi. Mais tais-toi aussi, toi. Non, mais arrête-tu, là. Mais pourquoi sont-ils aussi méchants? Je suis pas d'accord, moi. C'est quoi ce boudial? Pampan cucu gratos. Ooh. On aime ça. Le mariage avant, sinon pas de nuit. Nuit de noces. Ouh, dis donc. Il est chaud, hein, ce stream. Hein. Ouh. On a, voilà, sur ces belles paroles, nous avons Bambi qui meurt. C'est charmant. Bonjour. Et comment ça va? Comment ça va, toi? Vas-y, fais papa monstre. Voilà.
Quel atro. Ah non. Ah, c'est pour ça que depuis tout à l'heure on en voit, oui, des morts partout. Mais non. Tout ça à cause des gros méchants, quoi. Il les a empoisonnés, quoi. Il y a du méchant hein, par ici. Hein. Moi, j'aime pas ça, les mecs. Hein. Par là-bas, donc on va aller essayer de le pécho et on sort de la zone. C'est un chemin, ça ou pas? Hello! Oh, qui ne tente rien à rien, n'est-ce pas? Allez-nous, vous êtes au taquet, j'adore. Et Saint-Tromims, ces petits jeunes là. Vous verrez quand vous aurez 753 ans comme fille et moi. Et coucou Natalou, comment tu vas? Salut à toi mon petit loulou. Quoi de neuf mon Natalou? Live, pas live, sur quoi hein? Je t'ai pas vu en live, toi. Ah, tiens, maintenant, il faut que j'aille faire quoi? Fouiller les souvenirs encore. Ok, donc il y en a un là. Vas-y, il m'en manque deux. Il y en a au moins un. Du coup, ça va être un vrai souvenir. J'imagine, parce qu'on peut pas s'arrêter sur du faux. N'est-ce pas? Allez, toi, j'ai pas envie de me le péter. Alors, où est-ce qu'on va avoir un souvenir par là? Là-haut. Oui, je peux souper, mais non. Non. Voilà. Un vrai? Un vrai ou un pas vrai alors? Un vrai. C'est là où on était tout à l'heure, non? Ah ouais, d'accord. Mais à chaque fois que je prends ma canette de coca, hein, vous êtes sûr que ça s'arrête, en fait, les histoires. Je suis dégoûtée. J'ai même pas le droit de boire, quoi. Bon DBD et bon Hellraiser. Du coup, Natalou, j'ai eu la chance de faire 2-3 petites games tout à l'heure et de tomber 2 fois sur lui. 2 gameplays totalement différents. Et franchement, il y en a un même, j'ai réussi à le chase et tout, enfin à m'échapper des chases, je sais pas, bébé tueur, c'est pas possible. Mais Stéphane, j'aime beaucoup. Et moi, je suis tarée, hein. j'aime bien les nouveaux tueurs, moi. J'aime bien la nouveauté. Ben, tu as essayé de m'hypnotiser avec du horizon en me faisant des clins d'œil tendancieux. Oh, dis donc. On va en savoir des choses, hein. C'est quoi cette histoire là avec du chorizo? Non mais dis donc. Allez ma Kumba là. Bonjour, je vais te péter la tête toi qui va apparaître. Ah attends, faut que je la protège. Ah là, bonjour. T'as tes répiles sur moi, c'est normal toi? Hein? Tu voulais un bisou? Deuxième bisou, allez. Bisou, bonjour, comment ça va mec? Oulala, trop bon. Akunda, ma tata. Non, mais je vais plus pouvoir m'en aller de ce pays, moi.
Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. C'est mince, signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Mais il en manque là. Alors, je vais dire, mais pour sa défense, apparemment, c'est toi qui faisais de la calomnie tout à l'heure. Hein. Donc, hein, je dis ça, je dis rien. Mais je veux pas savoir. Hein. Enfin, je veux bien savoir des trucs, parce que c'est mignon, c'est marrant. Quoi. Hop là. Allez. T'as go. Je vais t'offrir un monde au milieu de splendeur. Nya 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 nya. Un masque voulu inerte, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça fait quoi ça? Malgré le moindre état physique du golem, les enchantements qui lui donnent vie semblent s'être dégradés, ce qui l'a rendu inerte. Un enchanteur disposant de l'équipement adéquat pourrait lui rendre toute sa superbe. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, si t'es enchanteur, t'as des petits bonus comme ça là, par-ci par-là, quoi. D'accord, c'est quoi ce bordel? Je suis jalouse, moi. Chacun son tour. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai envie de dire. Hein. Moi, tu sais très bien que je suis incapable de calomnier. Je suis choquée. Mais nous sommes tous choqués, en fait. Hein. Me lance pas dans le business, sinon je vais jamais m'arrêter. Oh, yeah. Ah, je me souviens certaines choses. Tiens. Il paraît que tu veux un petit coup d'éclair dans les fesses. Ah. Oh, stylé comment je l'ai fait tomber par terre quand même. Ah non, toi tu me fonces pas dans la tête. Hein. Toi tu vas te réveiller, tu vas être gentil, tu vas être gentil, tu vas être que gentil. Ah. Kundalini, tu peux le dire, c'était écrit. Kundalini. Méchant. Comment t'oses même pas dire mon nom quoi. Ouais, celui-là il vaut plus cher. Bonjour, hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse hein? Je vais à l'hôtel. J'ai pas envie d'aller à l'hôtel, moi, non mais oh. C'est quoi ça? Oui, ok, attends. Parce qu'avec ta grosse tête, je vois rien. Voilà, non. Oh madame, mais qu'est-ce qui t'arrive? Regarde comment elle marche là. Sa main là. You? La fête de la musique où je connaissais presque toutes les paroles, c'est ça? Ouais, totalement. Alors, je ferai probablement un petit jeu dans la prochaine émission ABC Geek, donc le premier dimanche du mois prochain, du mois d'octobre. ABC Geek, donc on sera à la lettre P cette fois-ci qui a été tirée au sort. Et il y aura un petit jeu. Pas musique, mais un petit jeu. Je prends note. Est-ce que tu t'es pris à Eraser? Non, parce que je ne joue pas tueur, donc je me le prendrai. Mais je pense que je vais attendre un petit peu, parce que même si c'est pas cher, c'est 5 balles. Mais les 5 balles, à la limite, je préfère les mettre dans quelque chose. Bah, tu vois, par exemple, je fais 5 fois l'anniversaire de ma fille ce mois-ci, à partir de jeudi, le 1er. Voilà. Donc je préfère, à la limite, mettre des sous là-dedans. Tu vois, dans du gâteau, dans des machins, pour l'instant que dans Hellraiser qui va attendre et pourrir des mois avant que je daigne, même des années peut-être, parce que regarde, je ne joue jamais tueur, j'ai des BD, ça fait quoi maintenant? Ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que je joue. Donc du coup, c'est vrai que voilà quoi. Ça va pourrir en fait pour rien quoi. Yes, déjà à l'hôtel. Oula, pourquoi? Ça veut dire que je suis bien avancée. J'ai vu au moins
je sais pas, 3-4 progressions de haut fait en tout cas. Après, mon personnage, là, il est 59. Hein. Donc là, c'est du bas level hein, pour moi. Je joue n'importe comment, mais je pourrais les péter normalement. Quand je m'étais mis un peu plus sérieusement, que j'avais essayé de commencer à choper les sacronies et tout ça, en un ou deux coups, ils étaient morts, les trucs. Là, c'est parce que je glande que je suis pas du tout... Comment ça va, Mini? Ça veut dire que je suis bien avancée en fait. Mais mignon! Mais regardez, j'ai encore ma canette de coca, hein. Elle me porte malheur. Eh fuck! Méchant. Non mais t'es en train de me taper quoi? Ils sont vraiment pas cool hein, ces gens. Hein. Pourquoi ils sont agressifs comme ça? Moi je vous ai rien fait les mecs. Oh! Bande de vilains quoi! Fouille des ruines. J'appelle... Attends. Tac, je me mets en fufu, si je me souviens. Ouais, ok, cool. Par contre, je m'arrêterai devant... quand je reconnaîtrai si j'y arrive, j'arrêterai devant le... là où t'es. Mais de toute façon, je vais pas tarder d'arrêter parce que comme je disais, en fait, là, c'est un... bon, c'est un live, je savais que je le ferais probablement pas intégralement, hein, parce que je sais pas pour combien de temps j'en ai, je sais pas où ça s'arrête, mais surtout, il y a un truc que je voudrais finir ce soir, et je voudrais pas me coucher à 3h du mat, donc du coup, je vais arrêter, je pense, un petit peu avant minuit pour pouvoir le faire, pour me garder une petite heure, je pense que ça ira pour le faire. Puis voilà quoi, c'est le cadeau d'anniversaire pour ma puce, la peinture diamant. J'ai quasiment fini, il me reste la sirène à faire. Je l'ai commencé et il me reste une partie de la sirène, mais je pense que, ouais, en une heure, ça doit être ok, quoi. Chut, elle dort, mais je chuchote quand même, on sait jamais. Yes, Hector, comment ça va? Tu as fini ton chef-d'œuvre? Bah non, je viens de répondre à ta question sans le vouloir, sans le savoir. Et si tu l'avais déjà... Oh non, fille, de quoi tu m'as envoyé le truc? Non, tu m'as pas fait ça quand même. Attends. T'inquiète pas pour ça, parfaitement bien calligraphié. Attends. Non, non. Attends. Hop, hop, hop. Eps. Je remets mes fenêtres et mes feux. C'est quoi que j'avais dessus là? Et de quoi tu parles, fille, du coup? Et ouais, je voudrais le finir parce que demain, en fait, ma peinture diamant. Sinon, demain, j'aurai pas le temps. Et puis surtout, bah, j'ai les deux filles avec moi, donc je vais pas le faire devant elles. Et jeudi, bah, le matin, normalement, je faisais mon live pour finir saison 4 de Walking Dead. Donc ça, c'est pour Cœur de Glace et. Cœur de Glace et Evans le Loup. Hein. Donc voilà, petite info en passant. Et bah, l'après-midi, j'aurais aimé réviser un peu en fait. Donc du coup, même si je vais aller chercher à 16h, il faut que ce soit fini dans tous les cas avant 16h, mais je voudrais, je serais plus tranquille à le finir là. Quoi. Je vois des mots doux, j'adore. C'est trop beau. Oh, il y a un truc là. C'est quoi ces trucs là? Nutella vient de se connecter. Jajanita. Jajanut Nutella. Oui, alors, elle là, je voulais dire. Pas, là, c'était pas fait exprès par contre. T'inquiète, Chacha, je suis sûre que ta poulette... Oui, j'espère aussi. Non, 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 me fais pas ça, fille, je vais devoir le faire en live. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Hein. Oh là là. Si c'est ça, t'es feu. Non, 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 mais j'espère que tu rigoles, en fait. Parce que je le vois pas sur Discord, donc pour moi c'est tu rigoles, mais j'espère que tu as pas fait ça par contre. Sinon tu es un fou et merci, mais il faut pas, il faut arrêter. Mais du coup ça va, tu vas m'obliger à faire du live tueur en fait, c'est ça? Ah ah.
J'espère, hein. Attends. Et là, je vois. Je suis en train de me tuer moi-même, quoi. Mais non. Que venin, Scorpachi. Mais fais pas chier. Scorpachi, mais c'est quoi ce vieux nom pourri, là? Par contre, ouais, pour un scorpion, vous auriez pu trouver un meilleur nom que ça, quoi. Que redoutable, que venin. Mais c'est quoi ces trucs, là? Je suis déçue, hein. Je suis scorpion, les scorpions, c'est la vie. Et vous me sacrifiez, là. Mais c'est quoi tout ça, là? Mais fuck! Oh! Je t'ai dit de venir à la fête, toi, ou quoi? Je t'ai pas invité que je sache, hein, mec. Ah, tu me files même pas de cuir ou de je sais pas quoi, toi. Gros machin, là. Que redoutable. Non! Mais pouette, pouette, va. Mais tu sais que par contre, je rigole pas. Hein, ces jours, je prévois, alors je voulais le faire en goal, de vous faire un live. Un live DBD tueur où vous allez avoir un grand skill de ouf et je pense que vous allez mourir de rire parce qu'en plus ça c'est le genre de truc où je mets la caméra et je pense que vous allez me voir me maudire, me détester, tout ce que vous voulez. Hé hey, arrête de t'enfuir toi Scorpini là. Non mais 7 sur 7, ok bah parfait, j'ai fini ça, vas-y. Ok, allez, go. Yep. Oh. D'accord, t'as une humanoïde là-bas. Ouais, d'accord. Ah ouais, je pense que t'as coûté. Bah ouais, mais non. Oui, pour les annonceurs, s'ils viennent ici, en fait. C'est quoi, ce gonzesse, là? Toute seule, là, dans l'ombre. Un antivenin efficace. Oh, salut. Si tu veux, on pourra voir pour des parties perso, histoire que tu vois comment il marche. Oui, oui, bah après, tu sais, moi, je l'avais... enfin, j'avais vu les gens le jouaient, mais pour une fois j'avais pas fait parce qu'en fait je suis allée sur le PTB puisque en fait faut savoir que quand je vais sur DBD, quand il y a le PTB qui sort, je crois que depuis que je connais la manip du PTB, il y avait que un ou deux DLC que je suis pas allée tester. Et le truc c'est que là en fait les games étaient très très longues à venir et je n'ai vraiment pas la patience en fait. Moi ça me saoule d'attendre. Donc du coup j'avais fait que sur Lyon en fait. Hein. Oh mais il y a du monde là, il faut que j'aille où là? Là il y a du monde, il y a du vert. Bonjour, il y a même une quête, ok la quête elle est où? Ah bonjour, bonjour Maze. Oh il y a un truc à toucher là, vas-y. Oui, 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 je t'en prie. Ok, heureusement que vous voyez pas ma tête parce que j'ai fait une gueule de ouf. Tiens, là, il y a un point d'interrogation. Bonjour. Comment ça va? Salut. Trouver les gemmes. Tiens, voilà. Parce qu'en gros, tout le monde est vert parce que je suis gentille avec vous, c'est ça? C'est ça les gemmes? C'est quoi les gemmes? Ah là. Là. Mais je peux rien faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là de toi? Alors. Trouver les gemmes manquantes de la statue. Saphir étincelant sur le visage de la statue ancienne. Se croiser dans le... Ok. Bah écoute, visiblement c'est pas ça. Et de toute façon c'est en dessous. Alors, par où est-ce qu'il faut que j'aille? Oh, là, il y a un gros bidule à aller voir. Ah, bonjour, bidule. Comment ça va? Ok. Tiens. Vas-y, on va voir les bidules, là. Alors, attends, je vais venir voir le chat.
Oh, merci, cœur de glace. Mais moi aussi, je vous aime. Je vous aime fort, fort, fort. Et vraiment, je vous le dirai jamais assez, mais merci d'être là. On se tape des barres tout le temps. Vous êtes adorable à souhait. Vous êtes généreux. Vous êtes... Enfin, vous êtes parfait. Vous êtes une commu en or. Et on adore venir... venir avec vous, les loulous, hein, tout simplement. Ah, attends, mais c'est quoi ce qui... Ah, là. Mais attends, il y a une quête. La quéquette, elle est où? Elle est là. Vas-y, on va choper la quéquette. Elle chope. Eh, je t'ai dit chope. Non, mais... Ben, je suis censée faire quoi avec toi? Excavateur libéré. Ah bah ben voilà, c'est parce que c'est pas un bon. Je me disais aussi, je comprenais pas. Bonjour. Ne me mangez pas. Bah oui, mais je sais quoi, il faut que je vais avec lui. Mais allez! Je suis censée faire quoi là? Oh! C'est pas gentil ça. Hein? Ah! Je pense que c'est peut-être parce que je suis en mode serpent. 106 mètres? Attends, déjà j'ai ça. Attends, j'ai même pas vu ma gueule. Je suis trop belle, n'empêche. Je suis trop contente, moi, d'être transformée en serpent, quoi. Ok. Ah, parce que t'es tout seul. Quelles sont les nouvelles? Mais... Besoin de quelque chose? Ah putain. Mais voilà. Voilà comment qu'on fait. Faut cracher sur la bouboule, quoi. Non mais dis donc, t'es belle en serpent, merci. Alors, faut savoir que, bon, je n'y connais rien en serpent, mais j'adore les serpents. Je trouve ça tellement sexy, un serpent, c'est j'adore, moi. Mais tais-toi! Allez. D'où tu parles, toi? Oh! Laisse-moi rendre mes quêtes. Non, mais... Allez. Bon, j'avoue, je pense que je ferai peut-être des sessions comme ça, farm de quête, un petit peu plus souvent en live. Parce qu'en fait, j'avoue que j'aime bien, en fait, ça me motive. C'est plus sympa, en fait, à faire, parce que je l'ai fait toute seule. Et j'avoue que là, j'ai pris plus de plaisir à les faire en votre compagnie, en pouvant papoter et tout, que quand je suis toute seule, en fait. Hein. Tout simplement. Donc, je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, du coup, je pense qu'on va peut-être se la jouer comme ça, quoi. Bonjour. Ah oui, il faut que je te tatane l'anus, quoi. Ah, il y a un truc là à prendre. Hop là. Et donc, c'est bien à ça que ça sert. C'est bien pour une quête. Objectif atteint. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Je n'ai pas, quoi. C'est ouf. Là, vous voyez de la charesse qui ferme ses quêtes, quoi. Faut que je les tape après, hein. Ce serait bien quand même. Hein. Je vais finir ça, là.
comme ça, je me ferme ça tranquillou. J'ai même pas vu combien il m'en manquait. 5 sur 8. Mettez-toi avec ta clé, quoi. Me saoule pas. 7. Un petit der. Ah oui. Oui, ouais, je sais, mais après, c'est vrai que du coup, je vois cœur de glace, donc du coup, c'était tenté, en fait, de... de le dire comme ça. Ah, attends, je peux pas l'enlever, ça? Ah si, voilà. Regarde, je suis trop... Bonjour. Eh ben, je... Oui, là, il y a des trucs comme ça, c'est vrai. Il faut se les pécho. J'ai vu ça hier, du coup, et... faut se les choper, ces trucs-là, parce que ça... ça a fait de l'avancement de au fait, ça. Oh, j'ai tué une araignée sans le vouloir, la pauvre. Dommage collatéral, la pauvre. Mais quelle phrase magnifique. C'est terrible, la fleur. Et il se manque de tout. Qui... La mousse s'amène et le pauvre bouilleux. Ils me jettent tous les deux. En haut. Sous les diamants des étoiles. Je suis désolée pour vos oreilles. Je suis partie. On sait qui on a dans cette grotte. Il y en a deux. Ah bah t'en as même un dehors. Des pimes hein. Dans ta tête. Et on veut tourner les serviettes. Alors là c'est d'un autre niveau par contre. Je passe. L'avènement de notre empire marquera votre extinction. Ma vie pour l'empire. Je voudrais te prendre toi. Je peux pas te prendre vilain. Bande de radins, quoi. Oh, ce vieux cri que t'as fait, toi. Non, mais oh. Bonjour, copain. Comment ça va? Hello, hello, hello. T'es qui toi, bonjour? La clé nous revient. Les autres gardiens ont échoué. Mais je ne faillirai pas pour Corvec. Ah la grosse vilaine quoi, non mais oh. Bon, toi, il va falloir que je vienne te péter la tête quand j'aurai la clé quoi, c'est ça que t'es en train de me dire. Depuis tout à l'heure, tu te demandes ta clé. Si c'est possible, je t'ai pété la tête, mec. 2 sur 12. Enfin. Ouais, c'est la bonne. Attends, on va faire. Clac. Bon, je finis les petites quêtes de la zone. Et j'arrêterai là pour ce soir. On reprendra plus tard. Hop, hop, hop. Parce que du coup, je vais me garder voilà, du temps, comme je vous disais, pour le trou de ma puce. Vous avez quelque chose pour moi? Ce serait dommage que j'ai les yeux collés quand... quand je voudrais le faire, donc du coup... Ah! J'ai pas pécho la quête, il y a une autre quête. Mais ils arrêtent, tu es la surveillante. Ah bah c'est celle que je viens de faire.
Ah, alors attends. La quête en bas, c'est peut-être pour se casser du coup. Donc on va se refaire ça. J'imagine bien en train de faire un... c'est ça. Ouais, ouais, en live, moi je viens. Si tu nous fais un truc comme ça, mais let's go quoi. On peut avoir un sérieux, ce sera plus facile. Alors, je t'avoue que me parler d'aller voir un serrurier, sachant que j'ai bossé avec des serruriers, avec qui ça s'est pas bien passé, hein, comme tu sais, à la fin, là, mon ancienne boîte, j'ai pas envie d'aller voir un serrurier. Non, c'est fini, je me démerde. C'est bon, je sais comment tu fais des trucs. Ah ben voilà. Let's go. Ah, merci ma lime d'amour. Merci pour les petits cœurs. Je vais bientôt arrêter la truc. Je vais regarder un petit peu les lives en même temps que je fais mon truc. Ça va être télé... Et à la demande, et je verrai, je vous proposerai ça quand j'aurai ce qu'il faut. Éventuellement, je vous ferai peut-être un live un de ces jours. Peinture diamant en fait. Voilà, si ça vous intéresse. Alors bon, ce sera principalement du jeu chatting, hein, parce que c'est pas à voir. Je pense que ce ne sera pas hyper passionnant. Donc ce sera du blabla, quoi. Et blablabla. Ok, on a plein de quêtes là. C'est quoi tout ça là qui sont pop là? Non mais oh. Arrêtez là. Attends, j'ai pas vu notre quête. Allez, viens. On va là où le vent nous portera. Allez, viens. C'est parti. Ouais, moi je chevauche le... Terreur. Comment il s'appelle? Le terreur d'Ectir. Souhaitait notre loi. Les infidèles mènent la guerre sur ces terres depuis la trahison de Corfec. C'est lui qui commande. Il cherche les clés manquantes qui lui permettront de franchir la barrière d'Aktulaman avant d'utiliser ce qu'elle renferme. S'il y a une auberge, je me mets en ZZ et puis je vais m'arrêter là pour ce soir du coup. Bah, j'avais dit 23h30 et mine de rien, 23h30, hein. Alors, bonjour, 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 bonjour. Vous êtes là pour nous aider. Les infidèles sont par contre à provoquer cette guerre. Non, c'est pas ça. Y a-t-il une auberge? Oui, il y a une auberge là-bas. Donc je vais aller prendre les 4, je vais vendre et un petit raid. Pas de soucis. Merci à vous. Ça n'aurait pas été de la qualité sans votre aide, les loulous. Non, on a bien rigolé. C'était tout chill. Vraiment, franchement, ça fait du bien. Et comme je vous dis, je pense que du coup, mes quêtes, je les ferai peut-être de temps en temps comme ça parce que c'est assez sympa en fait. Je fais mon petit truc et puis parce que je me braquais, parce que je me disais que c'était pas forcément intéressant, mais au final c'est marrant pour moi à faire et je pense que même pour vous c'est peut-être plus intéressant que certains trucs. Alors toi je te garde. Toi, je te dégage. Toi, je te dégage. Toi, je te dégage. Voilà. Hop là. Bon, voilà. Oh. Ah, yes. Merci, Mini. Je réponds.
Hop là. Alors attends, tac 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 tac. De rien, merci à vous. Ah non, 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 c'est parfait. Moi j'adore les pollueurs. C'est parfait, j'adore, je kiffe. Moi perso, ça m'intéresse pas trop. Mais oui, mais je sais, moi c'est la même chose. Hein. Moi il y en a où j'aime pas forcément le jeu. Et bah, déjà, t'as des trucs qui sont pas forcément intéressants. Déjà, si t'aimes pas le jeu. Des fois tu peux avoir du mal et tout, mais c'est vrai que quand c'est pour la personne que tu vas, quoi. Donc je comprends totalement, je suis très touchée encore une fois. Merci. Et je fais comme toi en fait. Hein. Alors attendez, hop, je vais vérifier qui on a encore en live. Alors. Hop, je ferme mes petits trucs. Voilà, donc on a toujours Gimbal avec The Lilith. Yipikaye et Nimlin qui sont en live. Donc du coup, on va aller passer chez eux. Donc ils sont sur du DBD. Quelle surprise. Excusez-moi, vous les entendez déjà? Arrêtez de me taper. Je vais baisser un peu. Ah là là, mais non, vive l'étape. L'étape au cucu. On aime ça par ici. Hein. Hop là. Merci beaucoup. Ben, grosse journée demain, mais ça va être cool. Et puis là, bah écoute, ouais, je vais essayer de me finir mon petit truc tranquille devant la télé. Donc je vous retrouve sur les lives en même temps. Je sais pas trop parler, mais je suis là. Et puis voilà quoi. Bah on se retrouve chez Gimbalou. Je vous fais de gros bisous. Merci encore pour tout. Merci pour les beats. Merci pour votre présence, pour les petits mots, pour les bons petits fous rires. Et merci à tous d'être passés par ici. On se retrouve chez Gimbal. Je vous embrasse fort et je vous dis à jeudi matin pour l'épisode 4, normalement le dernier de The Walking Dead, saison 4 finale. Gros bisous à tout de suite Nîmes, chez Gimb. Allez bisous. Ciao.